D'abord, j'ai un sentiment de joie, de satisfaction, de réconfort du fait que les musulmans ont pu accomplir leurs obligations de jeûne durant pendant 29 jours. Aujourd'hui, c'est la tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour marquer la fin du mois saint de Ramadan par ces invocations qu'on appelle la Eid al-Fitr. C'est la vérité, la fête du Ramadan. Aujourd'hui, selon votre question, je remercie d'abord Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, d'avoir permis les musulmans de s'acquitter toutes leurs obligations de prière dans cette belle mosquée. Remercier Sa Majesté, les serviteurs des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdel Aziz, pour tous ses efforts. Donc ces deux présidents ont permis l'ensemble de Conakry aujourd'hui. C'est la première fois que je vois cet engouement dans la grande mosquée. Les hommes venus quitter de leur habitude et traditionnel lieu de prière pour venir prier ici parce qu'ils sont contents. Ce contentement doit être exprimé à tout un chacun de nous de pardonner son prochain, de s'accepter dans la différence, d'apaiser les cœurs, de faire en sorte que tous nos différences soient résolues par la voie pacifique et non par la violence. C'est ça l'importance de la fête. C'est de renforcer les liens de solidarité, de fraternité, l'amour entre, d'une part, la communauté musulmane et de l'autre, entre la communauté musulmane et d'autres confessions religieuses pour que la Guinée toujours reste un pays stable et paisible.